Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur FIFA 20. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre deux gestes techniques, donc le El Tornado comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, mais également le Bolasifli qui est une version pour moi plus simple du El Tornado. Donc je vous fais la démonstration de suite, ensuite on passe aux explications. Donc pour le El Tornado, ça donne ça. Et pour le Bolasifli, donc vous allez voir, c'est presque la même chose, ça donne ça. Pardon, excusez-moi. Donc pour le Bolasifli, ça donne ça. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, c'est assez similaire, sauf que pour le Bolasifli, il va faire le geste avec les deux pieds. Donc on passe aux explications. Donc regardez l'animation de ma manette en bas à gauche de votre écran. Donc vous allez suivre une direction avec le joueur, maintenir L1, et ensuite avec le joystick de droite, vous allez envoyer le joystick de droite dans la direction du joueur, puis dans la direction du but, comme ceci. Hop, hop. Et là, ça va lever le ballon. Ce qu'il faut, c'est lorsque vous arrivez vers le but, arriver en diagonale, pas arriver de face. Sinon, regardez, si vous arrivez de face, le ballon va se retrouver derrière vous. Et donc, ça n'ira pas correctement pour finir avec une frappe. Donc, on va arriver en diagonale. On va maintenir L1 et envoyer le joystick dans la direction du joueur, puis du but. Donc on finit ensuite par la frappe avec carré ou rond selon si vous êtes en classique ou en alternatif. Donc voilà, une dernière fois, elle a joueur but et on finit par la frappe. On va maintenant passer au Bolasifli. Donc c'est pratiquement les mêmes commandes, sauf qu'au lieu d'appuyer sur L1, on va appuyer sur R1. Donc voilà, je vous explique plus en détail. Donc vous suivez une direction en diagonale au but. Tout en maintenant R1, vous allez faire joystick droit vers le joueur puis le but. Et là, on finit par la frappe. Lorsque vous faites la manipulation avec le joystick de droite, l'idéal c'est d'avoir un angle droit. Donc je m'explique, vous allez avoir, si vous allez dans ce sens là, le mieux c'est de finir, la deuxième position du joystick doit être à 90 degrés de la première. C'est l'idéal pour avoir le ballon qui se lève correctement. Donc, je vous remontre une fois l'un des les deux, donc le El Tornado et le Bolasifli. Donc, dans ce sens, là, voilà, voilà. Donc voilà, c'est les deux gestes que je voulais vous présenter aujourd'hui. Il va vous falloir beaucoup de pratique pour les effectuer en match, mais avec de la pratique, ça va aller tout seul. Donc c'est tout pour cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, lâcher un like et à mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée.